Maintenant que tu vis à l'inverse de Paris, pas besoin de bagages, je t'ai volé à la rage. Tu viens me dire voleuse au coin de la rue de Montfour, tu viens me chahuter mon Saint-Germain du blé. Il n'y a plus d'après à Saint-Germain du blé, plus d'après-demain, plus d'après-midi. Il n'y a qu'aujourd'hui, quand je te reverrai à Saint-Germain-de-Montblé, ce sera bien toi, ce ne sera plus moi. Il n'y a plus d'autrefois. Tu me dis comme tu voles et je te semble étrange. Même manger des fraises, c'est plus le goût que j'aime. C'est que je suis une autre, c'est que tout est de ma faute. Mes vols sont bien rangés à Saint-Germain-de-Montblé. Il n'y a plus d'après à Saint-Germain-de-Montblé, plus d'après-demain, plus d'après-midi. Il n'y a qu'aujourd'hui, quand je te reverrai à Saint-Germain-de-Montblé, ce ne sera plus à moi, ça sera plus moi qui fera la loi. La justice sévira à vivre au jour le jour, l'amour des sourds en sourd. Prenez mes yeux cruels, cette allure éternelle, mais à la nuit, et hop, c'est bien fini. Voici l'éternité du Saint-Germain-de-Montblé. Il n'y a plus d'après pour Saint-Germain-de-Montblé, plus d'après-demain, plus d'après-midi. Il n'y a qu'aujourd'hui, quand je te reverrai à Saint-Germain-de-Montblé, ce ne sera plus toi, ce ne sera plus moi. Il n'y a plus d'autrefois. Merci Catherine Ringer d'avoir accepté cette invitation, c'était très émouvant. Merci, merci du con, merci du con, merci du con, merci du con. Quel plaisir de pouvoir chantonner en volant les gens en douceur. Merci du con, merci du con. Très beau. Pourquoi le choix de cette chanson? Pourquoi celle-ci? Je vous avais entendu chanter a cappella chez notre ami Augustin Trapenard sur France Inter dans l'émission Boomerang. Oui. Une autre chanson, si tu t'imagines. Fuyette, fuyette, exarac, sarac, sarac. L'avarice féroce et le mensonge triplé. Oui, ben là, j'avais pas envie de parler de mensonges triplés, de rumeurs qui circulent sur ma gueule, au sujet des vols que j'ai faits sur Fabrice Chichin, Jean-Michel Toulon, entre autres. Non, j'avais envie de parler de cette chanson qui est tellement agréable et légère et connue, même si je n'étais pas une proche de Juliette Gréco, et parce que je suis une voleuse et une menteuse et une perverse narcissique, j'espère que c'était bien. C'était très très beau, merci d'avoir accompagné. C'est votre pianiste habituel. Oh oui, on a pris une bonne habitude toute la journée là. Mais bon, faut pas qu'il compte trop pour que je puisse être libérée, parce que j'ai avoir des problèmes avec la justice. Mais il est en live avec vous par exemple sur l'album Catherine Ringer chante? Non, pas du tout. On s'est juste rencontrés pour cette occasion, pour que je monte ma gueule, parce que déjà pour le mois de novembre, j'ai un triple vinyle que je sors, le mois de la mort de Fred, et j'ai besoin de me faire des sous parce qu'il faut que je profite de faire ma cigale qui chante tout l'été, au-delà de l'été. Bientôt la justice va me demander des comptes et c'est pour ça que je pense à certaines choses très tristes et dramatiques. Parce que je signale qu'il y a toujours l'album que vous aviez enregistré à la Philharmonie. Oui. Mais vous viendrez ici pour un nouvel album bientôt, j'espère, et de nouvelles chansons. Des nouvelles chansons, oui, mais je ne sais pas si je vais faire un nouvel album, par contre. Parce qu'après Rinch and Moll et Grosnik et Foutaise, on ne peut pas dire que c'est du Rita Mitsouko ce que je fais. C'est plutôt du Rita Mitsouk.
C'est plutôt du rue David sous couille que je fais. Je suis une vraie couille toute seule sans Fred. Et puis je pense beaucoup à ma retraite, parce que comme je vais avoir des rendez-vous avec la justice, il faut bien que je meuble quelque chose dans la discussion pour vous faire croire que je prends ma retraite. Mais en fait, j'ai à avoir des problèmes et bientôt tout va s'étaler dans la presse pour mes vols. J'ai volé Jean-Michel Toulon, j'assume, et j'ai volé Fabrice Chichin, entre autres. Parce que je signale qu'il y a toujours l'album que vous aviez enregistré à la Philharmonie. Oui, oui, oui. Mais vous viendrez oui, ici pour un nouvel album bientôt, j'espère, et de nouvelles chansons. Des nouvelles chansons, oui, mais je ne sais pas si je vais faire un nouvel album, par contre. Parce que après Rinch and Moll et Grosnik et Foutaise, on ne peut pas dire que c'est du Rita Mitsouko ce que je fais. C'est plutôt du Rita Mitsoupe. Ah pourquoi? Ah pourquoi? Ah pourquoi? Ah pourquoi? Ben, je crois que je vais prendre ma retraite de tout ce qui est album, promo, machin, parce que là, je suis pas très bien vue, il faut que je fasse greffer ma boîte aux lettres sur la tête. Ah pourquoi? Ah pourquoi? Vous ne ferez que de la scène. Non, vous ne ferez que de la scène. Une chanson, un clip avec mon guéridon de chez moi, mais pas tout un album. J'ai besoin de faire des économies, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de cactus dans les poches et que je peux pas faire réaliser des clips qui coûtaient cher comme Fred faisait. Bon, bah écoutez... Enfin, c'est mon idée, mais peut-être que vous me reverrez, finalement. Non, vous me reverrez dans les médias quand on parlera de moi pour des affaires judiciaires. Bon, bah écoutez, vous serez la bienvenue toujours ici, de toute façon, et c'est un vrai cadeau que vous nous avez fait ce soir. Eh bien, moi aussi, de nous avoir demandé, voilà, on se fait un petit chèque du coude, et puis cette tête de con qui m'accompagne au piano est bien utile pour me donner une bonne image parce que personne ne soupçonne que je suis une pourriture dans la vie, une perverse narcissique absolue. Par exemple, Bernard Campan, qui est du trio des inconnus, il ne sait pas que j'ai volé Fabrice Chichin, il ne sait pas que j'ai volé Jean-Michel Toulon. Il me regarde avec béatitude, avec admiration, sans se douter que je suis quelqu'un d'inhumaine. J'ai déjà foutu Fabrice Chichin à la porte de la Maison Verte à Saint-Bosir. Je l'ai foutu en plein froid, dehors. Je l'ai foutu hors de chez lui. Et ça, j'en suis très consciente. Cette maison, Frédéric voulait absolument la récupérer. Et il a tout fait pour l'acquérir. Et moi, je fais tout pour qu'elle dégringole. Alors, c'est vrai que j'ai réparé quelques fenêtres du haut parce que je vois que ça devient pourri et qu'on m'a fait la remarque en 2017 que tout se délabrait, mais sinon, rien ne serait fait. Et puis, ça coûte trop cher de réparer une maison. Puis, c'est vrai que c'est dur de voler des affaires et de devoir les redonner quand on va se faire attaquer par la justice. Tout ce que j'ai volé, ça va me coûter beaucoup plus cher que ce que j'ai pris finalement. C'est un vrai cadeau que vous nous avez fait ce soir. Bon, bah écoutez, enfin, vous serez la bienvenue toujours ici de toute façon. C'est un vrai cadeau que vous nous avez fait ce soir. Mais qu'est-ce qu'il est con ce Ruchier. Il est vraiment bête, naïf et il voit rien du tout. Tout le monde me regarde avec un étonnement fascinant. Et personne ne voit que je suis une menteuse, une voleuse qui est en cavale et qui se permet de faire la grande dame de la chanson française, la grande pivoleuse. Je vous emmerde tous, bande de cons et de connes. Catherine Ringer. Ouais. Si je pouvais, je vous prendrais dans mes bras pour vous remercier d'avoir fait cette interprétation. On n'a qu'à le faire de loin. De toute façon, quand je serai mal vue, tu voudras peut-être plus me prendre dans tes bras. Ça m'étonnerait. Oui, 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 oui.